Marie-Hélène Aubert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée au sein de l'équipe de campagne de François Hollande des questions de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. C'est cela. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui, dans le projet de François Hollande, est prévu pour le développement des énergies renouvelables en France? Alors, tout d'abord, François Hollande a fait de la transition énergétique un enjeu majeur de son projet. Et à travers plusieurs aspects, d'une part la sobriété, l'efficacité énergétique, et là aussi il y a beaucoup à faire dans la rénovation thermique des bâtiments et des logements anciens notamment, donc où il a annoncé 600 000 logements par an, donc c'est je crois un appel d'air considérable aussi pour les professionnels, c'est beaucoup de formation professionnelle, c'est beaucoup de travaux qu'il faut évidemment financer à travers différents types d'outils. Et puis le deuxième point, justement, c'est la diversification du mix énergétique en réduisant la part du nucléaire à l'horizon 2025 et en développant beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui la part des énergies renouvelables. Donc à la fois revenir sur les stop and go et effet yo-yo de la politique en matière de photovoltaïque, et puis créer à nouveau un cadre réglementaire, fiscal et légal, qui soit stable, visible, compréhensible, aussi bien pour les filières industrielles, les investisseurs, que pour les organismes ou les collectivités locales qui veulent investir dans ces domaines, que pour le particulier qui doit avoir accès à la fois à une information fiable et utilisable et à des outils de financement et à un rendu de travaux qui soit optimal. D'accord, donc encourager la rénovation, encourager le recours aux énergies vertes et renouvelables en local aussi bien qu'à l'échelle urbaine et sur tout le territoire. Plus généralement, le projet pour la ville prévoit-il d'accorder plus de place? Oui, alors il y a eu déjà un certain nombre de progrès concernant notamment les plans climat-énergie territoriaux qui sont aujourd'hui obligatoires pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants. Les schémas régionaux air, climat, énergie qui ont déjà impulsé un certain nombre d'initiatives à l'échelon territorial en faveur d'une ville durable qui combine davantage les questions de logement, de transport, de durabilité et de filières plus courtes, et également les questions d'agriculture périurbaine par exemple, dans la mesure où on assiste aujourd'hui à une artificialisation des sols de plus en plus grande, à vitesse croissante, et la disparition de terres agricoles. Et donc il nous faut concevoir à présent une ville plus intelligente, une smart city, qui sera capable donc d'être beaucoup plus économe en énergie et en ressources naturelles, en eau par exemple, qui soit capable de réintroduire du végétal également en son sein, créer des réseaux intelligents, que ce soit en matière de transport de personnes ou de marchandises, mais aussi en transport d'électricité, de stockage de l'électricité, de production locale également d'énergie. Tout cela suppose un transfert aussi de compétences supplémentaires aux collectivités territoriales. Et de ce point de vue, François Hollande a annoncé donc un nouvel acte de la décentralisation pour permettre aux collectivités locales d'avoir beaucoup plus de prérogatives dans ce domaine. Plus d'autonomie pour aller vers des... Plus d'autonomie, plus de compétences, et éviter ces doublons entre l'État, les régions, et voilà, de créer beaucoup plus de synergie, de simplicité aussi dans les procédures, puisqu'aujourd'hui ça freine énormément les projets. On a beaucoup de règlements qui s'empilent les uns sur les autres et les porteurs de projets, les investisseurs ont beaucoup de mal à faire déboucher dans des délais acceptables leurs projets. Donc nous voulons que ces dossiers, ces projets soient portés de façon beaucoup plus dynamique et mutualisée et que les délais d'instruction soient beaucoup plus courts, de façon vraiment à créer une dynamique en faveur d'un autre type d'économie, la green economy, l'économie verte, qui sera d'ailleurs au cœur aussi des discussions du sommet de Rio en juin prochain. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci.